Aboubakar Ba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à guinematin.com. C'est quoi l'actualité aujourd'hui? Nous sommes le 4 avril 2018. Bon, l'actualité est dominée par cette rencontre du président de la République, et Alpha Condé, et Sélou Darlène Diallo, chef de file de l'opposition, disons président de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Vous êtes responsable de la communication de l'UFDG. Comment vous-même vous avez préparé cette rencontre? Bon, écoutez, depuis quelques semaines, il y a eu des tractations, des lobbying. Le président de la République cherchait à rencontrer Sélou Darlène Diallo, chef de file de l'opposition. Ou peut-être Sélou cherche à le rencontrer. Je vous donne l'information. La vraie, Sélou Darlène n'a pas voulu accepter une rencontre. Pour lui, il ne pouvait pas rencontrer Alpha Condé une énième fois sans qu'il n'y ait des garanties ou des engagements fermes de ce dernier que ce qui va être obtenu, ce qui va être conclu à l'issue de la rencontre, ne soit quelque chose de concret et de d'applicable. Donc, il y a eu des équipes qui ont travaillé. Et puis, le dimanche soir, l'invitation est arrivée. Sélou Darlène a tout de suite convoqué deux réunions parallèles. La première, c'est la direction nationale. En tant que président de l'UFDG, bien sûr, il avait besoin du mandat de la direction nationale, donc de sa base. Vous en êtes membre? Oui. Et puis après, il y a aussi la réunion des leaders de l'opposition républicaine qui a été convoquée donc le lundi matin à 11h. De ces deux réunions, Sélou Darlène Diallo a reçu le mandat, bien sûr, d'aller rencontrer le président de la République. Donc, et lors de ces deux réunions, la question de la suspension des manifestations de mardi et de la semaine-là a été posée. Là aussi, que ce soit les leaders de l'opposition, que ce soit les membres du conseil de la direction nationale du parti, nous avons estimé que ce serait incohérent d'avoir des engagements fermes du chef de l'État et le lundi et de continuer à manifester à partir du mardi. Qu'il fallait donner donc la chance au dialogue et pour qu'on puisse savoir dans quelque temps est-ce que les engagements pris vont être tenus ou pas. Donc Sélou Darlène a reçu donc mandat qu'à la sortie de Sékou Touré, si quelque chose était obtenu de concret, qu'il suspende au nom de l'opposition et de l'UFDG bien sûr les manifestations programmées. Et c'est ce qui fut fait. Il est allé donc avec ces deux mandats. Il y a eu des engagements fermes. On va revenir sur ces engagements. Et puis, le président Sélou a estimé qu'on pouvait donner donc la chance au comité de suivi qui a reçu des instructions fermes du chef de l'État d'examiner et de nous proposer une solution de sortie de crise. Et donc, il a estimé que c'était bien de suspendre au nom de l'opposition les manifestations qui étaient prévues courant la semaine. En fin de compte, satisfait ou déçu de cette rencontre? Bon, écoutez, moi, en tant que responsable de l'UFDG, je dirais que je suis satisfait de l'opposition, des militants de l'opposition républicaine. Parce que, écoutez, Alpha Condé ne reçoit pas Sélou Darlène de gaieté de cœur. Cette rencontre n'a pas été obtenue comme ça au hasard. C'est parce que depuis le soir des élections communales,
nous n'avons pas lâché prise. Nous avons demandé, nous avons d'abord alerté. Nous avons rencontré les religieux, nous avons rencontré les diplomates, nous avons rencontré les partenaires techniques et financiers, nous avons rencontré les institutions de la République. Nous sommes allés dans les médias pour expliquer qu'il y a une fraude et qu'on disposait des preuves éloquentes de ces fraudes-là. Et donc, nous avons exigé que les vrais résultats sortis des urnes soient publiés. Nous n'avons pas été entendus. Donc, et comme la loi, la Constitution nous le permet, le recours ultime, c'est les manifestations de rue. Nous en avons fait usage. D'abord, nous avons menacé pour essayer de faire entendre raison le chef de l'État, la mouvance et tous ceux qui s'y opposaient. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus. Nous sommes allés dans la rue, de ville morte en manifestation. Nous avons enregistré près de 7 morts au cours de ces manifestations, paix à leur âme. Et donc, le président de la République et son gouvernement ont été obligés de nous écouter. Malheureusement, c'est lorsque les Guinéens ont été tués, c'est lorsque il y a eu vandalisme, c'est lorsque les Guinéens ont perdu leurs biens que le président de la République finit par écouter ses opposants. C'est la même chose, c'était le cas aussi pour les syndicats des enseignants. Malheureusement, le chef de l'État n'entend, n'écoute ses interlocuteurs que lorsqu'il y a eu mort d'homme, lorsqu'il y a eu violence et lorsque le pays est dans une situation de crise visible d'ici jusqu'à l'étranger. C'est en ce moment qu'il entend la voix des revendications. Et donc, moi, je dis que ce résultat, le fait que le chef de file de l'opposition soit invité à Sékou Touré pour qu'ils en discutent et qu'ils trouvent une solution à nos problèmes, ça, c'est une victoire de l'opposition, des militants de l'opposition, de leurs leaders. Ça, pour nous, donc, vu de ce côté, je dirais félicitations aux militants de l'opposition qui ont tenu bon et qui ont poussé le gouvernement à nous entendre malgré tout. Mais les rencontres se poursuivent à Sékou Touré. On se rend compte que tout cela est inscrit dans un cadre d'une initiative du chef de l'État qui veut rencontrer tous les acteurs politiques. Et il avait rencontré des acteurs sociaux et économiques avant. Bon, écoutez, je crois que on peut aussi interpréter ça d'une autre manière. Lorsque vous avez entendu hier le communiqué qui est sorti de sa rencontre avec la mouvance, il n'y a pas une seule virgule qui a changé du communiqué, du premier communiqué qui est sorti de la première rencontre entre le chef de l'État et le chef de file de l'opposition. C'est comme s'il avait appelé sa mouvance pour leur expliquer qu'il n'avait aucun choix que d'entendre la voix de l'opposition et de régler ce problème, ce contentieux électoral désormais qui porte quand même sur seulement 12 communes, 6 rurales et 6 urbaines. Ce n'est pas parce que dans ces 6 communes seulement qu'il y a eu des fraudes. Il y a eu des fraudes massives partout. Mais lorsque vous revendiquez en opposition responsable, c'est partout où nous avons des preuves éloquentes que nous avons demandé à ce qu'on revoie la chose et qu'on compare les résultats des PV que nous détenons, des PV signés par les personnes autorisées, les membres des bureaux de vote tels que le président, et que ces PV dont la copie devait partir, était destinée, la deuxième copie était destinée selon le code électoral au président de la CENI, ce qu'il nie d'ailleurs. Donc, c'est ces PV-là, nous avons des preuves éloquentes. Dans ces 12 circonscriptions, nous avons demandé, c'est à peu près 330 bureaux de vote sur près de 15 000,
bureau de vote, ce n'est pas trop. Normalement, lorsqu'on a la bonne foi, ce n'est pas trop. Il faut regarder ça, comparer, si c'est avéré, de nous rendre nos voix et nos sièges. Voilà ce qu'on a fait. Cela n'a pas été fait au niveau de la CENI. Vous pensez que le comité de suivi va le faire? Écoutez, cette fois-ci... Qu'est-ce que vous attendez concrètement du comité? Concrètement, c'est ça. Concrètement, c'est que nous avons nos PV, nous avons nos résultats sortis des urnes. Il faut faire une étude comparative avec les résultats publiés par la CENI. Si c'est avéré, et nous sommes sûrs que c'est avéré parce que nous avons tous les chiffres, il faut nous rendre nos voix et nos sièges. Voilà. Et si la mouvance démontre le contraire? Non, si la mouvance, c'est ce qu'on a voulu au départ avec la CENI. C'est ce qu'on a voulu lorsque le président de la République en personne a instruit la CENI en tant qu'expert électoral de faire cette étude comparative, de rencontrer et l'opposition, les partis politiques de l'opposition et les partis politiques de la mouvance pour comparer les résultats avec ceux qu'ils ont, pour qu'on puisse rendre à ceux qui ont des revendications leur siège et leur voix. La CENI a refusé. Parce que tout simplement, ils ont compris, parce qu'au départ, la première rencontre s'était bien passée, la CENI avait accepté. Lorsque Québec, à un moment donné, a semblé ne pas comprendre l'objectif, ils ont appelé à la présidence, et là-bas, on lui a expliqué qu'en tant qu'expert électoral, à lui de faire des études comparatives et de faire un rapport au président de la République, clé de voûte du fonctionnement des institutions, pour que ce dernier, en dernier ressort, puisse... prendre une solution politique à la chose. Mais souvent, on nous fait dire non, on ne peut pas ne pas respecter la loi. Le contentieux a été vidé, donc c'est terminé par les tribunaux, c'est terminé, tout est refermé, on ne peut pas l'ouvrir parce que. Mais je dis simplement, c'est comme si vous avez votre voiture a été volée, vous l'attrapez, vous attrapez le voleur, vous partez au tribunal, vous voyez votre voiture, vous voyez le voleur, c'est vous-même qui l'avez attrapé. Le juge, quand même, dit qu'il a raison, que c'est sa voiture. Est-ce que vous allez vous soumettre à ce jugement alors que vous voyez votre voiture, c'est vous qui avez attrapé votre voleur pour le déposer à la gendarmerie et puis à la justice, mais quand même on lui donne raison. Parce que c'est le juge, en dernier ressort, qui doit juger. Il avait dit son verdict. Est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter de vous soumettre à un jugement comme ça? Non. Donc, lorsque la loi a été violée au départ par les CACV, les magistrats qui n'avaient aucun droit d'éliminer ou d'annuler un PV, on ne peut pas après nous dire, non, vous devez vous soumettre à la violation de vos droits. Ce n'est pas possible. Donc c'est ce qui se passe. Donc nous, aujourd'hui, nous disons que une solution politique doit être trouvée et le président de la République, lors de sa rencontre, à l'issue de sa rencontre avec le chef de file de l'opposition, a instruit le comité de suivi à trouver une solution avec une diligence, la solution à ce contentieux électoral et après ils ont poursuivi le même comité de suivi a reçu des instructions du chef de l'État pour que les points d'accord de l'accord politique du 12 octobre 2016, tous les points d'accord qui n'ont pas été mis en œuvre soient mis en œuvre avec une diligence. Et d'ailleurs, le comité de suivi a tout de suite indiqué parce qu'il a tout de suite convoqué sa prochaine session le vendredi 6, donc pour tout de suite regarder de près cette affaire de contentieux électoral et de l'accord, des autres points d'accord qui n'ont pas été mis en œuvre du 12 octobre. 2016. Pour ceux qui ne suivent pas forcément l'actualité guinéenne, vous attendez à quoi précisément? Nous attendons à ce que les engagements pris par le chef de l'État soient respectés. C'est quoi ces engagements? Ces engagements, c'est d'abord que
le contentieux électoral sur les, portant sur les 6, sur les 12 circonscriptions pour lesquelles nous avons des preuves éloquentes de fraude, que les voix et les sièges qui nous ont été volés par les magistrats, confirmés par la CENI, nous soient restitués. Pour cette question, les instructions fermes du chef de l'État ont été données au comité de suivi pour régler le problème. Ça, c'est un deuxième point. Ces mêmes instructions du chef de l'État ont été données pour que les points d'accord qui souffrent de non-application de l'accord politique du 12 octobre 2016 soient mis en œuvre avec une diligence, donc le plus vite possible. Parmi ces points, il y a la haute cour de justice qui n'a pas encore été mise en place. Rappelez-vous que la Cour constitutionnelle a pris des résolutions tout récemment pour exiger la mise en place de cette autre institution qui manque dans la palette d'institutions de notre pays. Il y a la CENI. C'était prévu quand même qu'une nouvelle CENI soit mise en place à travers une nouvelle loi qui devait être votée à l'Assemblée nationale. Là aussi, un engagement ferme du chef de l'État a été pris pour que cette nouvelle loi soit votée et adoptée lors de cette session, de la session ordinaire des lois de l'Assemblée nationale qui s'ouvre demain matin, soit de l'Assemblée nationale. Ça, c'est un engagement. Sur le fichier électoral, un engagement aussi ferme a été pris pour que ce fichier électoral soit audité et assaini, totalement nettoyé avant et mis à jour avant les élections législatives qui doivent normalement se tenir au courant le premier trimestre du mois de l'année 2019. Donc ça, ce sont des engagements fermes. Les autres engagements, c'est les enquêtes pour retrouver les coupables commanditaires des meurtres, des tueries de nos militants depuis 2011 jusqu'à nos jours. 94 de nos militants ont été tués. Tout récemment, on a enterré 5 autres. Aucune enquête, aucun policier, aucun gendarme n'a été sanctionné, même une petite sanction administrative, d'une petite sanction administrative. Donc, là aussi, un engagement a été pris pour que des enquêtes soient menées pour retrouver les coupables commanditaires de ces assassinats. Il y a aussi les dédommagements. Là, j'entends les gens dire non, on n'a pas parlé des commerçants. Non, on a dit des victimes. Les victimes, c'est trois catégories. Il y a des victimes dont qui sont décédés, les gens ont perdu leur enfant, les gens ont perdu leur mari, les gens ont perdu leur fille, les gens ont perdu tout récemment, le gars a perdu sa femme, et 6 enfants ont perdu leur mère. Ça, ce sont des victimes. Il y a aussi des victimes qui sont handicapées à vie, des blessés handicapés à vie. Mais il y a aussi des Guinéens qui ont perdu leur bien. Leurs maisons ont été vandalisées, leurs boutiques vandalisées ou incendiées. Donc toutes ces catégories de victimes, on a résumé ça en victimes, on a dit qu'il faut, en attendant leur dédommagement, qui est prescrit dans l'accord du 12 octobre 2016, en attendant donc ce dédommagement, il a été obtenu que toutes ces victimes aient une assistance financière en attendant ces dédommagements pour les soulager. Cela ne ramènera pas, bien sûr, leurs parents qui sont décédés, mais c'est une preuve de compassion, de solidarité et surtout une preuve de reconnaissance de l'État, de sa faillite dans sa mission régalienne de protéger les citoyens lors des manifestations politiques. Donc, ces engagements-là ont été pris et nous, cette fois-ci, nous exigeons même que ces engagements soient respectés. Souvent en Guinée, depuis d'ailleurs cette rencontre, c'est visible
tout le monde s'attaque un peu au leader de chef de file de l'opposition qui serait naïf, qui rencontre Alpha et qui sait que Alpha n'est pas digne de confiance et tout. Et on arrive même. C'est la réaction de Amadou Bayilou Gawal Diallo qui estime effectivement que l'UFDG va à des rencontres en sachant pertinemment que les promesses ne seront pas tenues. Oui, mais là, justement, on fait du tort souvent. Non seulement à l'opposition, mais aussi au peuple de Guinée tout entier. Pourquoi? Lorsque un chef de l'État, un président de la République, il doit être digne de confiance de son peuple. Lorsqu'il dit quelque chose, il doit respecter sa parole donnée. La parole donnée doit être importante pour un président de la République. En Guinée, on fait des éloges au président de la République qui a des qualités de boulanger, qui roule tout le monde dans la farine. Rouler quelqu'un dans la farine, c'est de lui mentir. Rouler quelqu'un dans la farine continuellement, c'est de lui tromper. Je crois que personne dans notre pays ne devrait se vanter d'avoir des qualités de mentir ou de tromper ses compatriotes. À plus forte raison, le président de la République. Un président de la République, lorsqu'il attention, dit... Monsieur Bas, nous ne sommes pas dans la religion, nous ne sommes pas dans les affaires sociales, nous sommes dans la politique. Et dans la politique, le président de la République s'est rendu compte quand même qu'il y a une situation très difficile, très compliquée. Oui. Il fallait mettre fin aux manifestations et là, il a obtenu une trêve. Oui. Réussir à obtenir une trêve, c'est pas rien pour un dirigeant. Il a réussi, et il a réussi sur la base des engagements qu'il a pris. Et il doit être digne de confiance. Et le peuple de Guinée doit exiger de son président qu'il soit un homme de parole. Un homme qui promet mais et dans qui ce tient peuple, ses promesses. Mais dans ce peuple, il y a des voix qui s'élèvent et qui vous disent que vous n'avez pas raison de réclamer ces voix, que vous n'avez pas été volé, que vous avez perdu ces élections. Et c'est justement... Vous avez des adversaires politiques qui vous le disent. Et c'est justement pour cette raison que nous apportons des preuves et que nous demandons nous-mêmes qu'on examine ces preuves, que l'expert électoral qui est la CENI, l'OGE qui est la CENI, que cette CENI examine nos preuves, les PV qu'on n'a pas pris comme ça dans la rue, qu'on n'a pas sorti de nos tiroirs, des PV qui ont été dûment signés par les présidents des bureaux de vote. Parfois, c'est des PV. Le débat, ce n'est pas au niveau des preuves, c'est au niveau de rendez-vous pour mettre fin à une crise. Vous pensez qu'à la place du président Alpha Condé, Sélou Dalem aurait mieux fait de refuser une rencontre s'il savait qu'il n'avait pas du tout la possibilité de donner des voix à son adversaire? D'abord, Sélou Dalem n'allait pas agir sur la CENI pour voler des voix de son adversaire en sa faveur. Est-ce qu'Alpha Condé l'a fait? Bien sûr. Vous avez des preuves? Mais nous avons des preuves. Que lui-même a instruit la CENI? C'est lui. C'est vous lui. Avez quoi comme c'est preuve? Lui le président de l'UFDG. Vous avez quoi comme preuve? Nous avons les PV. Nous avons tous les mais preuves. Mais est-ce que les PV...